Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes déjà le 20 du mois et comme vous le savez, c'est l'heure de ma DCA mensuelle, le moment où je réinvestis sur mon portefeuille actions et ETF comme d'habitude. On va aller voir dans un premier temps ce qui s'est passé depuis un mois. Ensuite, je vais faire un petit point macro et puis je vais vous dire ce sur quoi je vais réinvestir donc aujourd'hui. Alors, explosion du portefeuille, une des plus grosses progressions que j'ai eues en un mois depuis près de 2 ans maintenant. C'est juste énorme, vous voyez le portefeuille a explosé à plus 14,67%, c'est juste énorme, on va voir ce qui a contribué eh bien, à cette progression. Allez, l'Eurostock 50, si vous investissez sur l'Europe, vous avez constaté une explosion, on est au plus haut depuis 5 ans, vous voyez sur mon tracker C50, Amundi Eurostock 50. Donc c'est vraiment ça qui a contribué à l'explosion ce mois-ci. Les États-Unis, ça remonte un petit peu, mais ça s'est pris une très grosse claque. Donc voilà, donc là on est sur 5 ans, hein. Je vous présente le graphique sur 5 ans, sur un de mes trackers aux États-Unis, le IVV, sur le S&P 500. Je vous rappelle, je fais une petite parenthèse, si vous voulez investir sur les marchés financiers, avoir un portefeuille ETF, actions, etc., et que vous recherchez un broker, vous pouvez passer par l'un de mes brokers, par exemple DeGiro, Boursorama, Fortuneo, ou Interactive Broker, DBS, etc. Vous avez des bonus à chaque, si vous voulez vous inscrire sur l'un de ces brokers. Je mettrai le lien en description, c'est sur mon site objectif-renta.com. Alors, on a vu Eurostock 50, ça a cartonné. IVV, le S&P 500, ça continue moyennement. Les valeurs énergétiques, alors valeurs énergétiques totales, c'était vraiment ma valeur refuge durant toutes les crises, voilà. Durant en particulier la crise dans laquelle on est actuellement avec la guerre, avec l'inflation, etc. C'est juste énorme, vous voyez, depuis 5 ans, on est au plus haut historique sur Total. On a eu des rendements de dividendes aussi sur Total qui sont énormes. Voilà, vous avez Total là sur 5 ans. Regardez-moi cette courbe, regardez cette croissance qu'on a depuis, allez, on fête les 1 an de la guerre puisqu'elle avait commencé en février 2022 et vous voyez que ça ne fait que monter depuis cette date. Alors, c'est pas que Total, hein, c'est aussi BP, c'est aussi Shell, etc. Donc, moi, j'en ai plusieurs. Ces valeurs énergétiques, je les avais parce qu'elles sont très défensives et voilà, elles réagissent très bien. Ce sont des valeurs, pour moi, ce sont des valeurs refuges au même titre que l'or. J'ose le dire. Voilà, donc, rendement des dividendes, vous pouvez voir parce qu'ils ont payé leurs dividendes aussi. Regardez-moi ça. 4,79% de rendement de dividendes, c'est juste très bien. Voilà, c'est très très bien. On continue comme ça, on est content. Parfait, merci. Voilà. Ensuite, on va aller voir un petit peu mes autres constituants. Allez, du Vonovia. Vonovia est encore dans la galère. Je vais, voilà, ça remonte un petit peu, mais c'est pas transcendant. J'irai regarder et j'analyserai eh bien leur rapport annuel pour voir un petit peu ce qui se passe. Simon Property, une autre foncière, ça fonctionne plutôt bien. On a des rendements de dividendes. Vous voyez ici forward dividend yield. Qui sont de 5,82%, ça c'est les rendements, l'estimation des rendements de dividendes à venir, donc c'est juste énorme. On va aller voir un petit peu l'or, vous voyez l'or, pareil, se maintient très bien. J'avais eu une petite déception, vous voyez, sur cette baisse, où je me suis dit, mais en période d'inflation, c'est censé être une valeur refuge. Malheureusement, ça ne jouait pas son rôle de valeur refuge, mais certains m'avaient dit, mais attends Marc, il faut donner un petit peu de temps. Alors, ils avaient raison, c'est remonté pas mal. Bon, voilà, on est quand même dans des niveaux qui sont des niveaux les plus hauts depuis 5 ans. Vous voyez, on n'est pas au plus haut, mais on est vraiment dans la fourchette haute. On va aller voir l'euro-dollar qui se maintient. C'est important pour moi parce que j'ai pas mal d'investissements en dollars. J'ai aussi du cash en dollars qui est une monnaie refuge pour moi. Donc c'est important de suivre un petit peu les taux de change. Donc l'euro qui s'était effondré, qui s'est repris et qui aujourd'hui est à un niveau stable au moment où je fais cette vidéo, en tout cas par rapport au dollar. Voilà. Alors, petit point macro, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Alors, baisse de l'inflation, les politiques monétaires restrictives d'augmentation, donc des taux directeurs, que ce soit aux États-Unis
ou en Europe, eh bien, commence à faire effet. Vous voyez ici, on est sur les taux directeurs aux États-Unis qui ne font que monter, donc politique très restrictive qui a un impact, on le voit, sur l'inflation. On est passé, alors c'est un impact, mais vous voyez, ça baisse, hein, c'est vrai, mais on est quand même à des taux d'inflation au-delà de 6% aux États-Unis. On est passé de 9 à 6, donc c'est pas mal, ça fait effet, mais bon, il y a encore du boulot, sachant que l'objectif, c'est d'avoir un taux d'inflation à 2%, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. C'est l'objectif des banques centrales. L'Europe, au niveau de l'inflation, donc on est passé de 10 à 8,5. Donc pareil, les taux directeurs ont la politique restrictive sur les taux directeurs, eh bien, a fait baisser les taux d'inflation. Donc c'est pas mal. Mais quand même, on regarde qu'il y a des grosses disparités dans l'Union européenne au niveau de l'inflation. En France, on est bien loti. Je sais pas pourquoi je dis on. Je suis pas en France, moi. Mais en France, vous êtes bien loti à 6%. Donc, bon, voilà, c'est quand même très élevé, évidemment. Mais c'est vrai que par rapport à l'Union européenne, par rapport à la Hongrie, par exemple, avec 25% taux d'inflation, c'est juste hallucinant. Vous imaginez, pareil, en Lettonie, 21%, en Lituanie, donc tout ce qui est Europe de l'Est. Donc, vous imaginez les projets en Europe de l'Est, le coût des matériaux, ça coûte cher. Donc, attention sur les projets, en particulier en crowdfunding, en Europe de l'Est, sur le coût, l'explosion des coûts des travaux, par exemple. Si, eh bien, s'il y a eu une inflation, je pense qu'elle doit être élevée sur ce type de dépenses. Voilà, donc point macro, voilà. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau mondial ? Les points clés qui vont expliquer là où je vais réinvestir. Alors, premier point clé, premier élément, bah, la guerre. Tout simplement, la guerre qui continue, une guerre fratricide, une boucherie, un massacre. Je ne sais pas quel mot on peut utiliser. Bref, ils ont vraiment envie de se mettre sur la tronche. Ça fait un an et ils sont pleins d'énergie. Donc, ils continuent. Donc, ça continue malheureusement entre l'Ukraine et la Russie, sachant qu'on sait ce qu'il y aura à la fin. À la fin, il y aura la paix. Moi, je pense que la paix, on devrait la faire tout de suite. Mais s'ils ont encore envie de se mettre sur la tronche, eh bien, qu'ils continuent. Ça risque, surtout avec l'alimentation en armes, j'ai peur que ça continue quand même pendant pas mal de temps. Je vois d'ailleurs plus vraiment d'intérêt à ce conflit, il devrait l'arrêter, mais bon. Bon, donc ça continue, est-ce que ça va continuer encore un an, deux ans, cinq ans, dix ans, est-ce que ça va s'enliser et devenir un truc qui va durer très longtemps? Aucune idée. Je pense qu'il faut parier sur le fait que ça ne s'arrête pas, donc voilà. Mais la bonne nouvelle, donc ça c'est premier point clé. Deuxième point clé, la réorganisation du monde. Parce qu'à côté de ça, bah, le monde se réorganise. Les approvisionnements en énergie, eh bien, on trouve de nouvelles sources, etc. Donc, là, ça fait quand même un an. Donc, on commence à avoir pris le temps de trouver des nouveaux fournisseurs d'énergie, de se réorganiser. Donc, et on va continuer à le faire. Donc, ça risque d'être de moins en moins impactant tant que le conflit reste localisé. Donc voilà, réorganisation. Levée des restrictions. Levée des restrictions, donc en Chine, tout ça, tout ce qui concernait la crise sanitaire. Pareil en Asie, là, ça réouvre de partout. Il n'y a presque plus aucune restriction. Donc ça va fluidifier les échanges au niveau mondial. Donc on risque de... Enfin voilà, j'ai bon espoir que... Enfin, j'ai bon espoir. C'est en train de se faire. Donc tout est en train de réouvrir. Donc ça, c'est plutôt positif. Dernier point qui va expliquer... Eh bien, mes investissements sur ce mois-ci, c'est les technologies, puisque on est en train de vivre des révolutions technologiques, mais là, on le sent très puissamment. Révolution technologique, bon, il y avait évidemment le Web 3 avec toutes les technologies décentralisées, etc. Mais il y a surtout l'intelligence artificielle avec énormément de projets, dont ChatGPT, que vous connaissez sûrement, OpenAI, etc. Donc là, on est en train de vivre une révolution. On a notre génération, nous avons vécu la révolution d'Internet. Hein. On a même, à la base, on avait enfin moi, ma génération, j'avais une télé en cathodique en noir et blanc et le téléphone filaire. Vous imaginez, on revient de loin. Vous imaginez toutes les révolutions qu'on a vécues. Mais je pense que la grande révolution de notre génération, c'est pas le téléphone mobile, c'est pas Internet.
c'est l'intelligence artificielle. Ce qui va arriver, des consciences, des entités transientes. Allez vous balader sur ChatGPT, faites-vous un avis. En tout cas, ça révolutionne tout au niveau, déjà au niveau des activités, au niveau des business, etc. C'est juste du délire. Bientôt, on ne pourra plus faire sans. Voilà. Donc, l'arrivée des IA, mais ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que qui va bénéficier toute cette activité, toute cette croissance liée à l'intelligence artificielle? Eh bien, évidemment, ce sont les États-Unis. Eh oui, les États-Unis. Ça, tout se passe là-bas, au niveau de l'intelligence artificielle. L'Europe, ça va arriver, mais avec 20 ans de retard. Hein. C'est comme le McDonald's, ça arrive. C'est comme le McDonald's, c'est comme les films, ça arrive tout arriver avec 20 ans de retard. Donc là, pareil, là, l'Europe a décidé de prendre 20 ans de retard sur l'intelligence artificielle et elle va réussir. Bravo. Donc, les États-Unis, c'est sûr que ça ne va pas être la Chine, ça ne va pas être la Russie, ça ne va pas être l'Inde, etc., qui vont développer ça. C'est les États-Unis, à coup sûr. Toutes les grosses boîtes s'y mettent, donc Microsoft, Google, etc., Facebook, tout le monde est dedans. Enfin, tout le monde, toutes les GAFA sont dedans. Donc là-bas. Donc, je vais réinvestir sur ce mois-ci, sur du S&P 500. Ça s'explique aussi sur le fait que mon portefeuille est historiquement exposé majoritairement sur de l'Eurostock 50. Vous voyez, j'en ai pour presque 135 000 euros. Donc voilà, j'ai beaucoup moins d'investissement sur les États-Unis. Mais voilà, donc je vais rééquilibrer comme ça. C'est l'occasion de remettre un petit chouïa sur mes trackers. Sur le S&P 500, et puis je vais investir aussi dans une foncière cotée, je pense que je vais investir dans SPG. Donc je vais réinvestir, alors je vais aller sur mon petit DeGiro, ensuite je vais aller sur Fortuneo, et puis j'irai enfin sur DBS, je vais réinvestir avec les trois brokers. Donc j'ai déjà en position mon S&P 500, donc c'est le Lyxor S&P 500 UCITS ETF par distribuer. Allez, je clique sur « Buy ». Ok, donc là on est hors marché, donc je vais mettre un ordre limite, sinon ça passera pas. Je ne peux pas mettre un ordre marché alors que les marchés sont fermés. Donc je vais mettre 39, ça cote 38. Je vais mettre montant, je vais en prendre 3000 ici. Ok, donc là il me calcule une quantité de 76. Je clique place order. Ok, confirme. Donc je vérifie le montant, on est 2900 euros, etc. Donc ça c'est bon. Ok. Tac, c'est fait, confirmé. Voilà, ordre placed successfully. Donc ça, c'est bon, feedback, pas besoin. Ensuite, je vais faire la même chose sur Fortuneo. Ok, donc Fortuneo, donc là, j'ai ouvert mon compte titre Fortuneo, ok. Donc là, j'ai sélectionné le même easing. Vous voyez, j'ai mis le même easing en haut. Donc c'est l'easing pour prendre le même. Hein, j'aurais pu prendre un autre, mais bon, vu que j'en ai déjà trois différents sur le S&P 500. Donc là, je vais reprendre celui-ci. Ok, donc je vais faire acheter. Donc je ne l'ai pas en position. Hein, donc je ne l'ai pas encore en position sur Fortuneo. Donc acheter. Voilà, donc achat, alors comptant, on laisse comptant, quantité, on va prendre la même quantité à peu près, je vais mettre 70 ici, valeur jour limité, on va mettre cours limite 39, ok, je reconnais avoir pris blablabla, ok, acheter, tac. Récapitulatif des frais estimés, blablabla, ok, confirmé, c'est fait, votre ordre a été transmis sur le marché, 1-1-1-1-1-1-1-1-1, c'est bon. Donc voilà, donc là, et puis ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller sur mon broker, soit Interactive Broker, soit DBS, je vais aller sur DBS, ou Interactive Broker, et je vais racheter du SPG et peut-être encore un petit peu de S&P 500. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée